Et les gens, c'est Frag, on se retrouve sur Outlast pour le deuxième épisode. Allez, c'est parti. Continuons à se chier dessus avec le son à fond. Oh putain. Allez, c'est reparti. Bon, les épisodes dureront minimum 20 minutes parce que déjà que c'est ultra long à upload. J'en ai pour 3 heures. Hier, j'en ai eu pour 3 heures pour upload l'épisode 1. Allez, c'est reparti. On était devant la baraque. J'espère qu'ils m'ont remis là parce que j'avais quitté sauvegarder tellement que j'ai flippé. J'ai dû arrêter de jouer le plus rapidement possible. Non, on va se faire 20 minutes. C'est largement assez pour. Parce que sinon ce sera trop. Allez, c'est parti! Ouais, on remet là, ok. Oh putain. Oh putain. Comment c'est chaud. Oh putain. Oh putain, le gadget, c'est mort. Ta gueule! Je suis. Ah, vous êtes là. Petite seconde. C'était là, tiens. Nous ne pouvons pas seulement suivre l'exemple de Jésus, nous devons être comme Dieu. Et maintenant, Dieu nous a envoyés. Lynn. Oh merde. Oh putain, moi je range comme ça, putain! Vas-y, prends ça, il frappe les dents! Toi, tu t'emballes! Oh putain! Silence, mon enfant! Tu as déjà révélé que ta langue ne servait à rien d'autre que mensonge! La vérité de Dieu est ici! Rejoins-nous! Qu'est-ce que c'est que ce merdier là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh putain, c'est quoi ça? Oh, les pauvres, ils sont en train de souffrir. Ouais, ils sont dans les cages, j'avais même pas vu sa mère. Oh, c'est chaud, sa mère. Oh putain, en train de souffrir le pauvre. Oh putain. Vas-y, je monte. Pas les couilles, j'y vais. Wow, 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 c'est quoi le délire là? Trouvez Lynn. Y'a que ça qui compte. Merde! Ah, faut que je fasse quoi là? Là, il y avait la clé de la prison. Et après. Putain, c'est chaud. Je suis en train de flipper. Ah, faut que je monte là-bas, non? Qu'est-ce qu'il faut que je branle? Ah ouais, d'accord. Putain, moi je suis en train de courir dans tous les sens. Ah! Fils de pute! Oh merde. Oh merde. Oh putain. Le fils de pute. Bon, vas-y. Continuons ce jeu de taré là. Oh mon dieu, putain. Ah, j'ai failli faire une crise cardiaque. Je crois en plus, ici il y aura des mecs qui vont me suivre en plus là. Oh là là. Oh putain. Je me questionne en dessous du lit, je crois. Il grave le vite, hein. Lynn!
Ah. Oh putain, il m'a fait flipper. Wesh. Mon dieu, Blake. Tu vas bien? Non. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Oh merde, ils vont partir. Cours, 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 vas-y, cours, 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 ta mère. Partout de là, partout de là. C'est bon, on l'a trouvé, on l'a retrouvé. Lynn, où est-ce qu'on va? N'importe où, mais restons pas ici. J'essaierai de faire le trophée platine en même temps. Donc j'aurai fini ce putain de jeu de tout à rien. Oh mon dieu! Oh, qu'est-ce qu'il y a? Mon ventre! J'ai mal! Y'a quelque chose qui va pas. Merde! Je dois m'arrêter. J'ai juste besoin. Oh mon dieu! Bordel de merde, Lynn! Qu'est-ce qui se passe ici? Je croyais que t'étais mort. Quand t'es tombé, je croyais qu'on était tous morts. Tout va bien. Je suis là. On va sortir d'ici, ok? Oh non. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ça. Je peux pas en parler. Oh. Je t'en prie, Blake. Ne me pose pas de questions. Ils arrivent! Ils arrivent! Notre foi a été confirmé! La femme venue du monde extérieur en ce jour a tenté à apporter l'immonde fardeau que nous avons tant attendu! Elle coupe un enfant dans son ventre. Quoi? Je l'ai examiné moi-même. Je ne sais rien. Il est fou. Ils sont tous tarés. Lynn, je t'en prie. Blake, je veux juste quitter cet endroit. Est-ce que tu es enceinte? Mortel, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas. Pas maintenant. Quittons cet endroit. Je t'en supplie. Ok. D'accord. Le diable de son ventre et écrasez-le sous vos talons. La révélation est à nos portes. Et comme les anges, nous ne devons montrer aucune pitié. Oh mon dieu. Allez-vous-en! Nous allons être très doux. Je jure devant Dieu que le premier qui me touche, lui crève les yeux. Dieu veut l'enfant. Non. Non. Dieu veut l'enfant. Tiens maintenant. Dieu veut l'enfant. On t'a enculé, niquez vos mères. Dieu veut l'enfant. Non. 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 Heretics! Heretics! J'ai pas compris ce qui se passe là. Dieu sauve ton âme. J'ai regardé mon père baiser ton dieu à mort. Le jeu de Chétan, oh putain. Merde! Merde! Lynn! Blake! Lynn! Tout va bien, petite. Oh mon dieu, merde! Ramenez-la à la maison. Je veux partager mon amour avec le père. Dieu ne t'aime pas. Pas comme je t'aime. Oui, mon amour. Ah. Petite mère est là. Je pense qu'on se reverra. Et merde. Dans quelle merde on s'est mis? Mon dieu. Prends l'arme là, prends l'arme. Seigneur. Tête de mort. Qu'est-ce que c'était que ça?
Wesh le mec, ça y est, il est défoncé. Pourquoi il marche dans les... Ils ont appelé Lynn, mère. Et il n'y a pas de la secte. Je marche vers où là? Il y a deux camps. Les chrétiens et... C'est là ou c'est autre chose? Vas-y, on va n'importe où, bah les couilles. Comment je fais pour sortir d'ici? Alors que condamne Sion à la maladie jusqu'à la mort. Enseigne-nous ce que nous ferons. Bah les couilles, bah les couilles. Cours, 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 cours. Faut que j'aille où, faut que j'aille où? Oh, bon, d'accord. Je crois que je me suis trompé de chemin. Qu'est-ce que c'est que ce merdier là? Mon Dieu! Seigneur! Qu'est-ce que c'était que ça? Ah oui, c'est pareil, c'est que je... Ils ont appelé hérétique. Ils ont appelé Lynn, mère. Et il n'y a pas que la secte. Ah, tu vas niquer ta mère, toi, fils de pute! Eh, va niquer ta mère! Qui tous vos mères, les... Putain, barre-toi de là, barre-toi! Barre-toi, va vite, vite, vite! Vite, vite, barre-toi de là! Ok, bon. Je sais pas ce qu'il fait là, lui, cet enculé. En tout cas, je vois qu'il a là. Merde. Bon. Eh oh! Jusqu'en n'importe où, bah les couilles. Non, je sais pas où je dois aller. Putain, il m'oblige à jouer avec le gamin à fond ou quoi là? Ah, il y avait mode histoire, merde. Je suis con. J'aurais pu mettre le mode histoire depuis. Ah non. Eh, je veux vraiment qu'il dalle. Ah merde. Ok. Bah merde. Moi je suis bloqué. Comment je fais pour sortir d'ici? Ah non merde. Eh mais je suis trop... Bah, j'ai pas pied. Ah ouais, c'est sur cette touche là que je dois appuyer. Okay. Putain. J'abuse là, j'abuse. Ah ouais. Classe de musique. Je suis désolé de devoir faire ça. Tu aurais dû m'aimer. Tu aurais dû m'aider. Bon sang, pardonne-moi, je ne sais pas quoi faire. Je suis tellement désolé, Jessica. Nous étions... La classe de musique. Oh, merde. Je suis de retour en quatrième. Ça pourrait pas aller plus mal. Oh.
Je vais aller là, moi, tranquille. Voilà, on va fermer la porte, on va rester là. On va éteindre la télé. Et puis là. Bon, tu sais quoi, je vais le voir, j'ai les couilles. Faudrait que je me... Ah ! C'est le but. Putain, je savais qu'il était là en plus. Les piles possibles. Putain, c'est chaud. Je suis pas un peu plus là, mais. En tout cas, j'y vais quand même. Hein. J'ai vraiment besoin de ça, quoi. Ah, laissez-moi sortir de cette merde là. Voilà, je voudrais partir, s'il vous plaît. Putain, moi je commence à ouvrir la porte. J'étais où là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le mec qui se téléporte comme ça, t'sais. Le mec s'en bat les couilles, hein. Je tiens à dire qu'ils sont bons les couilles. C'est vous, ah. Pas vrai? L'étranger? L'œil de Mlot, ils vous ont tué, pas vrai? Non. Ah. Pas encore. Eh ben, ils le feront s'ils vous trouvent ici. Venez. Bah voilà. Qui êtes-vous? Je m'appelle Ethan. Je veux dire, êtes-vous l'un d'eux? Dans quel camp êtes-vous? Vous voulez savoir pourquoi j'essaie pas de vous tuer? Je suis... encore un être. J'en ai trop vu pour garder la foi. Mais vous n'êtes pas avec les autres, hein? Les hérétiques. J'ai rien dit quand ma femme a eu la gale. On a dû la chasser. Oh, trop bien l'effet de... J'ai rien dit quand Not... De... J'ai couché sur ma petite Anali. Elle a à peine 15 ans. Oh, je suis désolé. Je crois que je m'en bats les couilles. Quand il a voulu c'est petit ça. Fils, je crois que je m'en... Il a planté dans le ventre de ma fille, qui devait être l'antéchrist. J'ai dû l'éventrer et tuer l'enfant. Putain. Ce qu'il a dû faire le pauvre. Je lui ai donné une chance de s'enfuir. J'ai baratiné ces crétins. J'ai toujours su quoi dire. Vous avez peut-être déjà remarqué. Jinto. Quoi? Votre fille. Elle était enceinte de 8 mois, des cheveux blonds coupés courts. Oui. Qu'est-ce que vous savez? Vous l'avez vue? C'est pour elle que nous sommes venus ici. Est-ce qu'elle va bien? Je vous en prie, monsieur, dites-moi qu'elle va bien. Elle va bien. Oh, Dieu merci. Oh, Dieu merci. Que Dieu vous bénisse. Venez. Vous feriez mieux d'entrer. Oh là. Vous vous êtes vraiment fendu la tête, pas vrai? Oui, ça va aller. J'ai... Descendez dans la cave. J'ai un lit en bas. Vous pouvez vous cacher jusqu'à ce que vous alliez mieux. Tout va bien. Détendez-vous, je vais vous protéger. Reposez-vous et prenez des forces. Ethan va s'occuper de vous. Je sais pas si j'arriverai à dormir avec le mec en plus, il dort tranquille. Après, dans ce genre de bordel, c'est surtout pour se nourrir, ça doit être la galère. Parce que c'est ce qui montre pas trop. J'ai peur. Personne
je ne cache rien. La vertu ne peut pas passer dans les seins par les reins, mais par le sang de ton cœur. Je connais bien l'évangile de papa. Je l'ai copié 100 fois. Si je savais où était l'étranger... Le prophète n'a pas besoin de toi pour trouver la putain du diable et son débauché. Ne t'interroge déjà d'autres hérétiques à la chapelle. Dieu va le guider. Tu as péché lorsque tu as refusé ta fille au prophète. Tu as péché depuis pour le nier. Où est l'étranger? Sa semence a engendré notre ennemi. Dieu et le prophète veulent son sang. Laisse-moi parler à Nott. Je peux tout expliquer. Dieu n'écoute pas les morts. Bah comme ça c'est fait. Ne bouge pas. Fais pénitence. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dommage que c'est un jeu où on peut pas attaquer, sinon je les aurais bien tués ces petites connasses. Ton du diable. Tiens, t'imagines, t'es réveillé comme ça, sa mère, mais t'es traumatisé jusqu'à... J'espère que t'as retrouvé ta fille. Jusqu'à ta vieillesse. Jusqu'à toute ta vie. C'est vrai qu'elle lui a rien dit. Bon bah c'est reparti pour un tour. Go se rechier dessus hein. Je commence à avoir moins peur quand même hein. Putain, le son est bien fort comme il faut. Oui c'est... Je vais là-bas ou pas? Ah! Ah, ça va ça. Je sais pas si je devrais passer par là, mais bon. S'ils disent ça, ça veut dire qu'il y a des mecs pas loin. Je suis obligé de partir par là.
Je passe par où? Je fais comment là? On va passer par là, hein. Ta mère, tu me trouveras pas où je suis, salopard. En fait, tu les insultes et tu te sens mieux. Sale démon. Ouais. Ah! Non, 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 s'il te plaît, non! Non, j'ai rien fait! Je te jure que je t'ai pas insulté, ta mère! Je te jure, non, mais je t'avais pas insulté, wesh! Une parfaite consommation. Une parfaite. Bah, écoute, je me soigne là. Je sais que je peux. S'il vous plaît, si je peux. Pouvez-vous demander à votre enfant d'épargner ma famille? Le diable lui-même. Je sais pas, ça fait combien de temps que je suis en train de le faire. Oh putain! Mais c'est l'air d'être ultra gentil en fait. Je peux même pas fermer. Voici une roue ici sur la terre, comme toutes les créatures vivantes. Putain, c'est que des chétans dans ces. C'est l'île aux chétans. Oh la chance. Oh la chance, je savais pas que je pouvais le faire. Oh putain, le jeu de Chetanos, wesh, putain. Oui, il sait que je suis en bol bâtard. Hein. Je lis même pas la plume. Bon bah voilà, c'était le deuxième épisode sur Outlast, on va se laisser là et puis on se retrouve pour le troisième demain. Voilà, merci de m'avoir regardé, lâche un like et abonne-toi si ça t'a plu. Voilà, merci bien, bye.